Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de notre série Crusader Kings 2 avec toujours le roi Roland, le béni, alias Roland II. On s'était quitté dans le dernier épisode avec une petite rébellion qui est en cours. Bon, rien de bien méchant, on va l'écraser. Qu'est-ce que j'avais à vous dire également? Donc j'ai passé le jeu, non j'ai pas trop le choix de toute façon. Le jeu s'est mis à jour là dans la nouvelle version, la version 3.1.0 si je ne dis pas de bêtises. Donc au niveau des grosses nouveautés, c'est un patch gratuit hein, que tout le monde peut reçoit de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir les DLC. On a maintenant la possibilité de bâtir, on a un petit nouvel écrit qui apparaît, de construire un grand ouvrage. Construire un grand ouvrage n'est pas de tout repos, des décennies vont s'écouler, des milliers de pièces d'or seront dépensées, mais à la fin il devrait rester l'un des plus majestueux bâtiments du monde. On peut faire la grande cathédrale, pour nous en tout cas, je parle pour européens catholiques, une grande forteresse, une grande muraille, un grand port, un grand phare, un palais royal, un magnifique jardin, une grande université, une grande bibliothèque, un grand mausolée. Il y a marqué les temps de construction, hein, 24 ans, enfin c'est des trucs énormes, ça coûte tant par mois. En plus, hein, c'est-à-dire que non seulement il faut que je paye par exemple pour la grande université 1410 et ensuite 2 par mois, ce qui augmentera, ils le disent hein, d'ailleurs, hein, augmentant après de 908, ils vous disent le coût total qui va vous coûter le bâtiment, il faut additionner les deux. Et alors après, je connais pas du tout, hein, j'ai pas trop regardé, mais par exemple, prends la grande cathédrale, témoignage de la piété du prestigieux constructeur, elle peut être utilisée pour stocker des reliques, et en cas de problème, ces cloches peuvent avertir la population en cas de danger. Et quand on met le curseur dessus, ça nous marque étape 1, emplacement de caractéristiques 2 sur 8. Modificateur prestige mensuel 005, piété 010. Et caractéristiques disponibles, gargouille, cloche, vitrail, tombeau des reliques, grande basilique, catacombe, croix géante, cloche en or, etc., etc. Je pense qu'après, une fois que le bâtiment est construit, on peut lui choisir deux caractéristiques qui me font des bonus. Pour un petit patch gratuit et un petit truc un peu gadget, moi je trouve ça vraiment cool. Ça permet effectivement de dépenser encore son fric un petit peu différemment. Donc on verra ce que ça donne. Bon, on n'y est pas, hein, parce que clairement là je suis toujours dans l'objectif des cités. J'ai vérifié avant de lancer la partie, donc j'en suis à 7 cités. Avec celle-là qui est en cours de création, quand elle sera finie, je serai à 7 sur 10. On a quand même 49 ans. Bon, on en gagne beaucoup d'argent, mais voilà. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'on va y arriver. On en était toujours à essayer de faire un duel contre notre fils. Alors le problème c'est que là il est en guerre, donc c'est pas possible. En plus je crois pas qu'il mène des troupes. Non, il forme des troupes, il ne mène pas de troupes. Bon, cela dit, il a quand même 12 en compétences personnelles, c'est pas beaucoup, mais nous on est à moins 4, notamment à cause de la corpulence. Sinon on serait à 6, ce serait un peu mieux. Donc, j'ai peur que si on fasse un duel contre lui, il y a de grandes chances qu'on meure, ou qu'on prenne très cher. Maintenant, si j'ai vraiment pas le choix, je le ferai, hein, parce qu'encore une fois, ouais, ça, c'est le duc Alexander de Somerset. Ah, notre autre fils est duc aussi. Ah bon, j'avais fait ça. Ah oui, mais je peux l'emprisonner si je veux. Ah, je peux l'emprisonner, hein. De chance que ça marche, mais si vraiment il y avait besoin, notre fils, on peut essayer de s'en séparer. Bah, de toute façon, on a tous nos enfants qui sont rivaux avec nous. Hein. Mais je fais n'importe quoi. Oh là là. Et je suis fatigué, hein. Ça y est, ça commence bien. J'étais dans les rivaux, non, on est, voilà, rival avec lui, et lui, qui est notre héritier, ne l'est pas. On pourrait éventuellement le jeter en prison, hein. De toute façon je vais partir sur le principe, ça m'arrange effectivement, je vais partir sur le principe que mes fils sont mes rivaux et qu'il faut qu'absolument, de toute façon si lui vient à mourir, je vais te détester mais j'ai moyen de me séparer de lui d'une façon assez rapide. Et après voilà, mais le but c'est carrément qu'il mette, bien évidemment il veut mettre son neveu sur le trône, c'est pas forcément un bon roi non plus dans le fond. Pas forcément cruel, mais il est plutôt gentil. Mais voilà, les intérêts de la famille d'abord. Donc, allez, après tout ce blabla, on est reparti en vitesse 3. Et en fait, non, on n'est pas reparti parce qu'avant ça, je voulais lever l'armée. Venir là. Lever les bateaux. Venir ici. On va lever les troupes qui sont là. On va venir là. On va lever les troupes qui sont là et venir là.
Alors on verra pour les autres changements du patch, hein, je crois pas qu'il y ait de changement majeur. Ah si, une chose, parce qu'on me l'a demandé en commentaire. On m'a demandé si j'allais former mon empire. Alors, je suis pas sûr, je vais regarder peut-être plus en détail, mais j'ai peur que ce soit plus compliqué pour moi après encore. C'est peut-être plus simple, peut-être que ça m'arrangerait en fait, il va vraiment falloir, j'aurais peut-être dû regarder avant, parce que peut-être que former un empire m'aurait arrangé pour la succession. Ou pas, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui est plus intéressant. Pour former un empire, franchement, je suis pas loin. Il faut 3 titres de roi, je les ai. Il faut un pays supérieur à 180, je suis à 177. Il faudrait que je prenne pas grand-chose pour que ce soit bon. Et il faut 8000 de prestige, je suis à 7754. Donc, effectivement, il y aurait moyen. Il y aurait moyen de former un nouvel empire. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ou pas, je ne sais pas. Une guerre génétique pour l'Anatolie. Alors je me demandais si on avait un intérêt de rejoindre justement la... Ouais c'est ça, il va sûrement s'attaquer à ça je suppose, aux traces croisées, non? Contre le Byzantin. Bon là non, mais typiquement quand il faut une croisade musulmane par exemple, sur... imaginons sur eux, tiens. Est-ce que j'ai un intérêt, alors sachant que le pape ne demande pas... aux gens de rejoindre, on peut nous-mêmes décider de venir aider, mais est-ce que j'ai un intérêt, parce que si je réussis, derrière, ils vont pas forcément faire une croisade, tandis que si je laisse les musulmans reprendre ça, le pape va reprogrammer une croisade, et donc du coup je peux la re-rejoindre et me faire de l'argent et du prestige. Je me demande s'il y a un intérêt à la défendre, qu'est-ce que ça m'apporte, moi j'en ai un peu rien à foutre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, vous me direz en commentaire hein, si j'ai dit une bêtise, si au contraire, oui, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, on verra bien. Votre avis si vous en avez un. Hop, comme d'hab, on met l'escorte à gauche. C'est toujours le bon, lui. Bon froid, non, c'est plutôt Blève qu'il faut mettre. Ouais. Ouais. Oh, vous savez quoi, je vais même pas m'embêter. Ça sert à rien. On équilibre les unités, ils se débrouillent. Ça déclenchera pas le truc, mais c'est pas grave. Hop là. Le moral était même pas à fond, mais on s'en fout clairement. On va les laminer. On perd pas grand monde. Hein. Bon bah voilà. On appuie les exigences. Lui, paysan là. Si je le rançonne, je gagne 10 pièces d'or. Il veut même pas. Je peux le libérer, non. On va l'exécuter. Tiens, d'habitude c'était un bruit de... a été pendu. Alors je sais pas si on choisit ou pas, parce que d'habitude ça faisait le bruit de brûler. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le bruit de la corde comme ça, donc ça se trouve ils ont changé, ils brûlent les... je sais pas, hein, vous me direz peut-être que ça va pas changer, mais je me souviens pas, à chaque fois c'était le cri du feu là, le... les gens sont jamais brûlés, enfin, sont jamais pendus, pardon, sont toujours brûlés. Là j'ai eu le son de la corde, ça me dit rien du tout. Ou alors ça fait... ou alors j'ai vraiment tout oublié en une semaine, mais... Du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, peut-être que maintenant les brûler c'est que pour les hérétiques et les autres gens sont pendus, ce qui me semble un peu plus logique parce qu'on brûlait pas tout le monde à l'époque. Que veut ce monsieur? Que la paix? Nous proposons que Maëlys Ferch Halloween et Anquetil. Oh là, les noms. C'est l'héritier du comté de Rennes avec Anquetil Carénon. Ouais, bah, si tu veux, vas-y, hein. J'en ai un peu rien à fichtre. Moi, ça me va bien. Emprisonner le baron de Vire. Je sais pas trop pourquoi, mais je m'en fous un peu. Le roi Philippe d'Aragon a choisi le royaume de R comme site principal. Bah, il a rechangé, tiens. Beaucoup de paysans sont installés dans le comté d'Evreux. Je vais laisser mon intendant gérer. Modificateur de coût pour la construction moins 15. C'est sympa. Je m'en fous. Non, je m'en fous. On va garder l'argent. De toute façon, j'ai rien à construire, moi. Donc, clairement... Par Évreux, je peux rien construire. Ah là là. On obtient la fièvre. On obtient la fièvre. On est fiévreux, pardon. Alors, je pourrais l'affronter en duel, mais... Un érudit de foi juif s'est présenté à la cour. Une excellente réputation dans le domaine de la compagnie de l'administration le précède.
Ouais, il est bon, mais bon. J'aurais une conversion, il veut pas. On va quitter la cour. Allez, salut. J'ai rien à foutre. Soutient le ventre. Ouais, bon, tout ça, on est malade, alors c'est pire encore. Lance, anxiété, fièvre. Ouais, c'est pas le moment d'aller faire un duel. Hein. Avec mon illustre instruction sur toutes les questions diplomatiques, je ne devrais pas avoir mal à me faire aimer du duc de Lancaster. Je vais envoyer un émissaire. Voilà. Et ben voilà. Ça s'appelle un gros fail. Il est mort d'anxiété morbide. Son humilité était sa vertu. Il n'a jamais voulu que quiconque le complimente. Un homme qui faisait ainsi preuve de dévotion et qui rejoint Jésus à présent. Ouais. Si vous avez un nouvel héritier, si vous mourrez, ce sera Kundo de Conteville. Aïe aïe aïe. Roi Roland III lui succède entouré d'ennemis et de rivaux. Nous espérons que son règne ne soit pas écourté par un poignard planté dans le dos. Ouais, bah ça. Je vous le fais pas dire. Alors. Ranulf Turod. Donc ça veut dire. Ouais, j'aurais dû l'exécuter. Kundo. Alors sa propre fille, elle est dans les prisons en fait. C'est affreux parce que là je sors un peu du principe roleplay de mon personnage quoi. Parce que là franchement je pourrais. En fait ça me simplifie les choses. On va le faire hein. On avance dans le game donc on va le faire. Vous allez voir, c'est pas terrible ce que je vais faire. Mais j'ai vraiment pas envie de jouer ce personnage. Donc, on va jeter aux oubliettes les enfants. Et après, on va tenter de se suicider. Si on réussit, et ben c'est bon. Le trésor contient actuellement un élément de valeur dont j'ai hérité du roi Roland II. Cependant, il faudra peut-être que quelqu'un s'en occupe. Ah non, je vais le garder le Saint Prépuce, moi. De toute façon, bah, la cité, tout ça, c'est mort. Le royaume de... Attendez, c'est quoi cette alliance, là? Ah non, personne galloise pour la steppe pontique. Il est fou lui, il a fait une guerre sainte contre ça là. Pour moi je refuse. Clairement j'ai d'autres priorités. Attention hein, c'est un risque hein, que je prends là, parce que vous voyez. J'espère que les enfants vont mourir assez vite quand même. Mais attention. On n'est pas apprécié du tout. Un pack défensif sur la gueule. On a quand même beaucoup de troupes, hein, mais faut faire attention. On va quand même nommer un maréchal. Domaine personnel trop vaste. La fameuse cité, ouais, je n'en veux pas, hein, de toute façon. Attendez, hop, je me trompe. Voilà, on fait ça, voilà. On est bien d'accord hein, que si je fais ça. Ouais, franchement, c'est la classe de jouer ce perso, là, franchement, ce serait. Pouah, en plus, la France, elle a tellement blobé. Franchement ce serait classe, c'est pour ça que je le fais, on est quand même dans la fin de partie, je pense pas que vous m'en voudrez, au contraire je pense que vous allez trouver ça sympa. Ça sort un peu du principe RP que je fais depuis le début par contre, je suis pas très très fan. Bon comme il est dépressif lui, j'espère qu'on arrivera à se suicider, mais avant ça faut que les enfants meurent. Parce qu'après c'est pas compliqué hein, on exécute les deux prisonniers. On suicide, faut juste espérer qu'on y arrive. Hein.
Vous savez quoi, on va le faire. Allez, ça va pas être très cool, hein, mais vous avez compris pourquoi je fais ça. Hein. Vous avez très très bien compris pourquoi je fais ça. On va dire que c'était un fou, hein. Voilà. Vous me le prenez RP, on va dire que le roi Roland III était un fou. Il a complètement pété un plomb. Et on va se suicider. C'est tout comme, étant entouré de gens qui ne peuvent pas comprendre, parfois c'est l'isolement. Je mourrai dans un duel à mort. Le poison me délivrera. J'aurai une mort rapide alors par le nœud coulant. Le plus haut dans le camp me offrira une dernière. Je crois faire ça. On va voir. Là je prends un risque. Hein. Franchement, je suis en flip total. Il a été excommunié. En excommunié en plus. Oui, non, mais c'est la catastrophe quoi. Vous avez regardé le paysage environnant pour la dernière fois avant d'escalader la balustrade, vous jetez dans le vide. Ce fut une belle vue qui pourtant ne vous manquera pas. Une respiration profonde et vous êtes élancé, libre comme l'air. Et donc, il s'est suicidé à 24 ans. On va dire qu'il est devenu complètement fou, hein, de toute façon. Ça pourrait être RP, hein. C'est vrai que j'aurais pas dû le faire comme ça. J'aurais dû dire que le mec, il pète un plomb, il tue ses enfants et il se suicide. Et du coup, on joue le roi Turold. Alors, si on arrive à tenir, parce qu'on va avoir énormément de rébellions contre nous, on va se calmer un petit peu, hein, parce que là, ça va être un peu tendu, par contre. Ça va être très, 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 très tendu. C'est très, 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 très tendu. Mais regardez ça. Regardez ça. Waouh. 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 Voilà, la folie d'un homme qui a fait ça. Waouh. Alors là, la gestion va être calamiteuse, hein, je préfère le dire. Je sais pas du tout comment je vais me gérer ça, parce que là, au nombre de vassaux, c'est juste une catastrophe. Compétence en c'est une grosse catastrophe, ça va être une catastrophe. Hein. Franchement, attention, hein, ça va être très compliqué ce que je viens de faire. Mais on va voir. Vers son seigneur liche, on peut même pas trop savoir pourquoi. Bon, il y a intérêt à ce que lui il aille au bout déjà, parce que si on m'assassine et il y a des chances que ça arrive, bah c'est mort. Hein. Clairement, on est mal. J'espère que ça va le faire. Oh, putain, on n'est pas aimé en plus. Est-ce que j'ai moyen de ne pas avoir de maître espion en fait? Parce que je veux pas de maître espion. Ou alors nommer ma mère quoi, mais pas plus hein. Wow, la gestion du truc ça va être... Si on tient hein, je promets pas hein. Une forte ambition, merde. Il faudrait quelqu'un qui nous aime à peu près bien. Ouais, c'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment pour dire j'ai quelqu'un qui m'aime à peu près. Mais là j'ai trop de titres, j'ai trop de... Comté de Mortain, le comté d'Evreux, le comté de Caen, le comté de North Connacht. Ah ouais, mais ça j'en veux même pas quoi. Enfin... Wow, la gestion. Bon, allez, c'est parti. Alors, North Connacht, on va le donner à qui? Le North Connacht, on va le donner... Ouais, mais ça va être tendu, hein. Pardon, excusez-moi, je me calme. Ok, on prend la cour. Il faut qu'on ait des gens qui nous aiment bien. Bah tiens, toi, là, maître espion, là. Accorder un titre foncier, le comté de Connacht. Je conseille votre nom. Ah ouais, ils veulent pas, putain. Parce que le conseil... C'est marrant que le conseil demande ça, révoquer des titres. Accorder des titres dirigeants. J'ai passé la Normandie en titre principal.
Ouais, pourquoi ils veulent pas? Je mets lecture un petit peu, mais... Le trésor contient actuellement un élément de valeur... On va le prendre. Je sais plus ce que ça fait, mais... Autre chose à faire. Pas d'enfant... Ça, ça va être le bordel un peu à la cour, là. Ça va être le bordel, du coup... On va promouvoir un noble. Allez. Mais pourquoi ils veulent pas? Mais pourquoi je vote? Vous avez pas à voter? Je comprends pas. Mécontent. Elle s'acquitte d'une faveur. Envers le prince Eustache de Saint-Empire. Ah, c'est mon chancelier qui pose problème. Ok, alors toi tu vas virer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec une petite pomme? Je pense pas, mais... Quelqu'un qui est pragmatique, déjà, ce sera pas mal. Manque-t-il? Tiens, toi. Je vais te donner de l'argent. Et on va voir. On va revoir ça. Alors du coup, si je voulais donner un titre foncier... Ah bah voilà, maintenant ils sont bien pour. C'est à cause de l'autre qui foutait la merde là. Ok, toi tu prends ça. Toi. Comté d'Orléans. Fanatique. Je suis sans terre, le titre me revient de droit, je désire ce truc. Ah d'accord, il est pas content. Comté de sens. Non mais elle, faut que j'en fasse quelque chose, la duchesse Mélucide de Blois, là. C'est quoi, c'est ma conseillère? Ouais, je peux pas... C'est pas un vassal puissant, bon bah elle va dégager, puis c'est tout. Hein. Elle risque de foutre la merde, mais bon, tant pis, hein. Bon bah non, je peux pas. Pas la changer au sein de mon conseil, je peux rien faire par rapport à elle. Je dis une note de nos offres. Bon, attendez, on verra ça après. On va continuer un petit peu. Contactez un aventurier pour lui demander ce qu'il voudrait cesser de vous piller. Non, je veux toujours pas rejoindre ta guerre. Pour le moment, c'est pas le moment. Il y a un pacte contre moi, forcément. Mais bon. De toute façon, on va se calmer. On a quoi comme menace? 87%. 36 mois. 366 mois. De toute façon, je vais pas faire de guerre pour le moment. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ouais, ouais, il y a des factions très dangereuses. Bah oui, je sais bien qu'il y a des factions dangereuses. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Pourquoi il est à moins 100? Opinion vers le prédécesseur. Ah, ouais, c'est vrai. Domaine trop vaste, trop de duchés. Ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour tout ça. Hein. J'ai trop de duchés. Le duché de Connacht. Je voudrais bien lui donner à lui. Ou à lui, tiens. Un petit foncier. Duché de Connacht. Mais foutez-moi la paix, bordel! Mais sans déconner, mais laissez-moi! Elle est considérée comme un vassal puissant, mais ouais, mais pourquoi, enfin... Arrêtez d'être mécontent, là, putain, laissez-moi faire! Ah ouais, on peut pas influencer, en plus, Ah ouais, non, elle se cache, en plus, alors, elle... C'est la totale, quoi. Je peux rien faire. Très bien, donc elle me casse les couilles. Après, c'est qui me cassait les couilles? Le chapelain. Tiens, toi. Peut-être que là, du coup, ça va être un peu moins chiant. Elle était convaincue par l'habileté politique. Et c'est vraiment elle qui me fout dans la merde, en fait. Hein. Sauf qu'on peut pas virer quelqu'un qui est conseiller. C'est vraiment un poste stratégique, ça.
imposé mettra un terme au conflit en vassaux. La paix prendra effet 3 mois, raisonnée durée 5 ans. Si vous avez penché vos vassaux, devenir trop puissant au sein de votre territoire. Bien sûr, ça va être refusé. Non, mais c'est elle, en fait, c'est vraiment elle qui fout la merde, quoi. Elle est pas contente. Je peux pas la renvoyer du conseil. Elle étudie une autre de nos offres. Je vois pas quelle offre elle étudie, en fait. C'est buggy ou quoi? Parce que elle est en train de me foutre dans la merde, hein. Turol, vous n'êtes qu'un usurpateur. Baudouin de Montferrat est le véritable seigneur de France. Et voilà, ça, il fallait que je m'y attende, ça. 10 000 hommes. Tournier, la comtesse de machin. Ne me fera pas chanter. Attention, ça va être la merde. Bon. Ah ouais, mais j'ai plus aucune troupe, là. Ils sont combien en face? 11 000. Ils sont où mes 40 000 troupes là? J'ai plus personne qui me suit quoi. Oh là 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 là, l'enfer. Je vous le dis, c'est l'enfer moi. On peut rien faire là, ils sont tous mécontents, ils veulent en profiter pour me renverser donc. Ça, c'est à cause d'elle là. Allez, hop. Un renvoi du conseil. Et là, je la fais venir au conseil. Maintenant je suis sûr que je peux donner tous mes titres, mais c'est trop tard quoi. Reste là, comment vous voulez que je gère ça moi? Ils sont où mes 40 000 troupes là? On passe de 40 000 à ça, non, c'est une blague. Ah, après je peux engager hein, franchement j'ai du fric mais bon enfin, sauf que là j'en ai un peu moins mais bon. On va voir ça. On va essayer de pas les perdre bêtement. À mon avis, ça va être tendu quand même. Hein. Sachant qu'ils sont un peu séparés, il y a peut-être moyen. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Mais bon, on va voir ça. Alors voilà, là on les éclate.
retrouver à Évreux déjà. Ouais, je suis désolé, mais c'est beaucoup de macro-gestion. Alors, toi tu viens là. Ouais, désolé si je parle pas, mais je réfléchis en même temps, je suis désolé. Hein. Allez, c'est reparti, ça va le faire. Là, ça aurait été bien que je détache 1000 hommes de plus qui restent là. Hop, le bateau. On va là, on va là-bas. Hop là, allez, une révolte contre nous. Ah oui, j'ai des troupes jusqu'à là, moi. Oui, bah oui, forcément. On va tout ranger. Après, là, on verra, mais honnêtement... Beaucoup de conflits à gérer, tout ça. Ouais, alors mon éducation, qu'est-ce qu'il peut faire comme éducation? On sait pas. Je prendrais bien le conflit, moi. Vu ce qu'il va y avoir à faire, on peut rembourser notre dette aux juifs, on va le faire. Ça fera des trucs en moins. On a quand même des troupes, hein, ça va, mais bon. Lui et lui. Des sièges hein, derrière. On va siéger Paris déjà. Ils ont pas tant de troupes que ça, eux. Ou alors, si elles sont un peu cachées pour moi, peut-être aussi. Hein. Est-ce que je peux m'enlever des titres là pour enlever des malus parce que je n'en peux plus, je ne veux plus de trucs. Ah ça y est, alors le duché de Connacht, hein, quoi c'était ça. Inclure tous les titres. Voilà, je vais donner le duché de Connacht déjà. Ça me fait un allié plutôt pas mal d'ailleurs. Bon le maréchal m'aimait bien. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est quoi? Bah, c'est déjà quelque chose, c'est mon maître espion. Oui bah écoutez, au moins, voilà, il est fidèle. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, comté d'Orléans. Tiens, ben lui, j'aurais bien donné le comté d'Orléans. Voilà. Parfait. Il a des enfants. C'est impeccable. Bon, je me libère encore d'un truc. Évreux, quand Sens. Sens. Alors, Sens. Inviter un saint homme. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, maintenant il est là, c'est pas lui. C'était inviter un noble. Ça coûte cher d'ailleurs, peut-être falloir que je me calme. Il est merdique à souhait, c'est pas grave. Je vais donner le comté de Sens. J'en ai en dessous. Bon, par contre, au niveau des vassaux, ils sont toujours bien trop nombreux. Est-ce que j'ai toujours le malus comme quoi. Trop de duchés, oui. La Normandie, je le garde, le duché de Paris, le duché de Kent. On va le donner le duché de Kent, hein. On va arrêter de le garder. On va le donner à lui. Ah, ça y est, ils veulent pas. Je désire ce titre. Bah, moi je veux bien te le donner, mais je peux pas te le donner. Bah, vous savez quoi? On va lui donner le comté de Kent.
Et derrière, on va lui donner du chicken. On va pas se prendre la tête. Voilà. On a assez de choses comme ça à gérer, nous. Hein. On va pas s'en rajouter encore plus. On a toujours des vassaux. Contre... Toujours trop de vassaux, de toute façon. Ouais, et puis en plus, bon, c'est un peu compliqué. On va quand même prévoir des fiançailles, ce serait bien. Émirat de Asturie, Duchesse de Lusacé. C'est où ça? Ouais, mais c'est, ça aurait été bien, mais pour continuer à s'agrandir, mais là non quoi. Si je fais un ranger des fiançailles avec lui. Mais c'est un garçon, bah, je suis con. Je vais pas me marier avec un garçon quand même. On verra à ce moment-là, on va pas se précipiter. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas mis de timer, je sais pas du tout j'en suis dans mon tournage, là, je suis bien perturbé. On est à 36 minutes, très bien. Bon. On va continuer encore un petit peu. De toute façon, là on devrait enchaîner les batailles dans notre sens à nous, hein, c'est clairement. On va aller poursuivre à York. Je vais établir l'intérêt à Caen. On va... Bon, je vais pas embaucher un physicien pour le moment. La menace est toujours énorme, on peut emprisonner des gens. Arrêt automatique des complots, je suis sûr que ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Les menaces se réduisent, sont un petit peu réduites pour certaines. Bon, ça reste violent, hein. Surtout celui-là. Franchement, faut que j'envoie du fric à mort, quoi. C'est trop cher. Et les petites personnes comme ça, ouais, ça coûte cher aussi. Hein. Oui, 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 oui. La quête duchesse, hop, tu viens là, t'améliores les relations avec elle, s'il te plaît. C'est important. On trouve un apostat. On le brûle, on n'a pas le temps. Pas de temps à perdre. Avec ça. Embaucher un physicien de la cour, parce que lui il est pas terrible. Ouais, non, lui on va éviter quand même. Ouais, bah là on va commencer à perdre des sièges, hein. Ils sont 14 000 en Andalousie. Le gérer ça. Hein. Effectivement. Hop là, pardon, je remets les tuyaux, on va avancer en vitesse 4. Échec de la guerre djihadique, ouais, des factions dangereuses, ouais, bah ça on le sait, hein. Les successions ça va, le comte ça va, l'indépendance il est tout seul, comte Emo pour l'Angleterre, Ouais c'est pas terrible mais bon voilà, après c'est des successions, voilà. S'il faut vraiment que je lâche quelques trucs je le ferai. Ah putain une croisade, non je peux pas aller à la croisade, c'est pas possible. Ah je suis dégoûté parce que j'en attendais une mais là non, vous avez vu ce que je dois gérer déjà. Si en plus il faut que je fasse la croisade, je suis pas dans la merde. Allez, on a fait un siège. Maintenant on va aller attaquer ceux-là. Je vais même pas regarder mes généraux. Toi, t'as l'air bien, toi. Ouais, t'es bien. T'as beaucoup de cave. Ouais, t'as de l'infanterie lourde quand même. Pardon, lève. On froid et pavé. Païen. Bon, bah eux ils ont commencé le siège, donc je vais les laisser finir. Après, j'irai attaquer les autres. Là on a une grosse bataille hein, quand même. On va la gagner hein. Sans problème mais bon. Mais bon quand même. Ouais, donc là
on va faire le truc. Ouais, c'est marrant, celle qui faisait la révolte est morte, visiblement. Ou je sais pas, pourquoi c'est lui maintenant. On aurait pu faire une paix blanche. Hein. Sinon, je l'emprisonne. Non, on va faire une paix blanche. Allez, comme ça, terminé. On perd pas de temps. Voilà, bon, ça me va très très bien la paix blanche. Est-ce que je récupère pas des troupes par contre, c'est ça que je comprends pas normalement. Les troupes. Nombre limite de vassaux dépassés. Ah putain, c'est ça qui me fout dans la merde. Merde, c'est vrai ça. Alors comment je peux limiter mes vassaux? Ça c'est la grande question ça. Surtout quand on est gamin, qu'on a 6 ans. Sinon faut que je l'ajuste territoire. Ouais, mais là c'est tendu, elle, elle est... La duchesse là, elle est puissante. Bah, vous savez quoi, je vais regarder ça tranquillement, je vais faire des essais, je vais faire des tests, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais le sauvegarder immédiatement parce qu'il n'y en aura pas deux comme ça. Et je vais voir comment je peux, je vais devoir peut-être lâcher du territoire ou faire quelque chose. Mais là, ouais, ça va pas être possible quoi, j'ai trop de vassaux. C'est très tendu. Bon, et du coup j'ai pas assez de troupes. C'est dangereux pour moi, donc il n'y a que du mauvais. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que si on arrive à maintenir ça, bah franchement c'est beau. Hein, maintenir tout ça, ouais, franchement, là, ce serait quand même bien la classe. Ouais, je perds énormément de fric. Ouais, bah ça m'étonne même pas. Hein. Malheureusement, il va falloir faire avec. Mais tant qu'à faire, on va essayer d'aller peut-être écraser la rébellion qui est là, hein, vu que ça s'est calmé. Au niveau des factions, ça se calme un peu aussi. Hérétique éduqué dans une culture étrangère. Ouais, bah ça, bien sûr que je suis étranger pour eux. Hein, donc, le royaume de Valence, on en a des choses. Hein. Le royaume de Badajoz. Hein. Faudrait que je fasse des essais, peut-être si j'enlevais ça, est-ce que ça descendrait mes vassaux. Bref, il faut que je regarde tout ça tranquillement. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à vendredi pour la suite de cette petite série qui, ma foi, continue toujours de surprendre, hein, n'est-ce pas? Avec des choix un peu, voilà, il a fallu trancher dans le vif, mais c'est un choix. Allez, en tout cas, je vous laisse là pour cette fois. Merci à tous, à très vite. Portez-vous bien, bye bye.